You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait un haul action, donc je filme dans ma chambre. J'ai remis ma coiffeuse dans ma chambre, du coup je vais essayer de vous filmer des vidéos ici, on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire un petit haul action. Je suis retournée à action, alors j'ai acheté un truc. Une brosse à chiottes, parce que mon fils a mis du papier dans les toilettes, il a joué avec la brosse et du coup bah voilà, hein, donc il me fallait une brosse. Ensuite je me suis acheté un petit cahier parce que je suis en train de noter tous les reels, les petites vidéos courtes etc que je veux faire sur TikTok Insta en ce moment. Et je les note dans mon téléphone, donc là je vais les noter sur papier parce que moi j'aime beaucoup avoir aussi un support papier. Ça m'aide énormément, donc je le trouve trop bon. J'ai repris encore des choses pour le concours des 1000 abonnés, donc vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Il va sortir dans un prochain vlog à mon avis, mais je suis en train d'acheter ce qu'il faut là. Je me suis pris des gants parce que je fais les ongles à une copine et ça m'a trop donné envie de refaire les ongles. Voilà, je suis repartie dans ma tête, je m'imagine déjà ouvrir mon salon etc dans 2 ans parce que je suis bientôt en congé parental. Donc j'ai acheté ça pour m'entraîner. J'ai acheté ça, on va le tester sur TikTok, c'est pour venir colorer mes sourcils. D'habitude je le fais chez une copine et là je me suis dit on va tester. Donc voilà, 99 centimes si je vous dis pas de bêtises. Je me suis pris ça pour quand je fais ben, justement mes vidéos TikTok où on se maquille ensemble. J'en ai un noir et là c'est le printemps, il fait beau, donc j'ai envie de lumière, de couleur. J'en ai marre du sombre, donc j'en ai pris un rose puisque le rose c'est ma couleur préférée. Quand vous t'étais pas au courant, ben, maintenant tu le sais. Voilà, elle est pas mignonne Noémie comme ça. Alors j'ai vu un DIY sur Insta mais je crois que je me suis trompée. Donc déjà j'ai acheté de la colle comme ça pour le DIY. Et j'ai acheté ce qu'il faut mais je crois que je me suis trompée. J'ai repris 2 trucs comme ça aussi pour faire des DIY. Donc j'ai vu des gens qui faisaient des pots à bougies. Oh mon bébé il a faim, des vides poches etc. Donc j'en ai repris 2. J'ai pris des feutres comme ça pour faire des dessins. Donc c'est des feutres à alcool, mon fils a pris les miens. Donc du coup je me suis pris ceux-là pour moi, donc je vais bien les cacher parce que hors de question qui me les vole. Bon même si je suis perdante parce que là il n'y en a que 40. Mais vu qu'il m'a pris les miens, je m'en suis racheté, voilà, donc, il faut que je les cache. Ensuite j'ai pris ceux-là aussi mais apparemment ils sont nuls. Donc on va voir, c'est des faux... comment ça s'appelle cette marque qui coûte super cher là. Imitation Posca, voilà, 3 heures après, on va voir si ça marche. J'ai pris de l'aquarelle comme ça pour essayer parce que c'était trop mignon, ça valait pas cher. Voilà, Noémie se fait avoir. Ensuite, j'ai pris ceux-là à l'acrylique parce que je les ai achetés pour mes enfants et ils sont trop bien. Mon fils a voulu des ciseaux Spider-Man. Ensuite, j'ai pris d'autres stylos aquarelles comme ça. J'ai pris des petites spatules comme ça pour travailler le plâtre pour faire des peintures texturées. Je me suis pris une brosse. Je me suis pris de la glu pour mes DIY. Des cotons, alors j'en utilise plus du tout, mais des fois il m'en faut, j'en ai pas. J'ai pris de la colle jaune pour mon DIY. De la colle, n'importe quoi. De la peinture acrylique jaune pour mes DIY. Et je suis en train de me dire que tous mes trucs comme ça, je les ai mis chez mon oncle, donc j'ai plus de peinture. J'ai pris 2 pinceaux comme ça parce que je vais essayer, mais pas de suite parce que j'ai pas ce qu'il faut, d'acheter de la peinture effet bois. J'ai pris 2 bombes, une jaune et une rose parce qu'à la base je voulais venir bomber les étagères comme j'ai mis dans ma salle de bain, sauf que je les ai pas trouvées donc je les ai pas achetées. Et ensuite j'ai pris aussi pour des DIY une peinture blanc mat et un spray mat. Et pour mon DIY je me suis trompée, bon j'en ai pris 2. Donc un pour ma cuisine parce que j'en ai plus, je les casse tous donc j'en ai pris un. Et en fait je voulais faire un genre de DIY comme ça mais je crois que je me suis trompée en fait. C'était ça avec une assiette. Donc je sais pas, écoute on va voir, mais je crois que je me suis trompée. C'était tout pour mon haul, je me dépêche parce que mon fils il a faim. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'eau, à vous abonner, à activer la cloche pour louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.